Quand je dis constance et crédibilité, je fais référence d'abord aux engagements que nous avons pris de relocaliser 30 000 personnes à partir des hotspots dans les semaines et les mois qui viennent. La France est prête à cela. Les premiers réfugiés sont arrivés vendredi dernier et nous avons rappelé à la Commission la disponibilité de la France pour mettre rapidement en œuvre ces engagements. La France s'étant préparée à travers l'augmentation du nombre de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à travers l'organisation de son dispositif administratif, à mettre en œuvre rapidement ces décisions. Et qu'il s'agisse des hotspots, des contrôles des frontières extérieures de l'Union européenne, et encore une fois des conventions de retour, des moyens confiés aux ONG pour le niveau d'aide humanitaire, il faut de l'efficacité. Cette crise est mondiale. Elle est européenne, elle a des conséquences dans nos pays. Les gouvernements sont soumis tous à une pression importante. L'efficacité, c'est la maîtrise. Et l'efficacité, c'est la mise en œuvre concrète des décisions qu'on a déjà prises. Et donc, efficacité et solidarité, ça marche ensemble. Parce que la solidarité ne se matérialisera pas si nous ne sommes pas efficaces à mettre en œuvre les décisions déjà prises.